Bonjour à tous, je m'appelle Ameline Simon-Liméry, j'ai 30 ans et je suis actuellement en train de créer un projet autour du voyage entre le continent africain et la Caraïbe en passant par la France. Je souhaite permettre à tous de découvrir d'un côté le continent africain et de l'autre la Caraïbe ainsi que le terroir français afin qu'on puisse échanger au niveau de nos cultures, de nos savoir-faire, notre patrimoine culturel. Alors aujourd'hui, vous êtes en Martinique, pourquoi? Alors, je suis venue en Martinique principalement pour pouvoir tourner un micro-reportage, clip publicitaire autour de tout ce qui est encore une fois notre savoir-faire, notre patrimoine. Donc, ça peut être la danse traditionnelle, ça peut être au niveau culinaire avec le travail des ingrédients locaux. Retravailler, revisiter au niveau de la gastronomie. Je suis venue pour rencontrer également les partenaires qui pourraient travailler avec moi, qui pourraient proposer des choses pour encore une fois permettre des échanges entre les entrepreneurs locaux, les artisans, les artistes, que ce soit des peintres, que ce soit des créateurs. C'est vraiment pour aller à la rencontre de la population et de ma communauté. Et savoir aussi est-ce qu'ils sont intéressés par le fait de découvrir le continent africain et voilà. Parlons du continent africain. Vous avez vécu pendant un moment, vous avez. Je n'ai pas vécu sur le continent africain, mais j'ai commencé à voyager en Afrique à l'âge de 10 ans par rapport à la profession de mon père qui était militaire de carrière. Donc j'ai commencé par Djibouti et puis par la suite, quand j'ai eu une vingtaine d'années, je suis partie au Mali, puis en Tanzanie, à Zanzibar, et je dois y retourner très prochainement, ainsi qu'au Rwanda, au Cameroun, et pourquoi pas le Nigeria et le Ghana. Vous vous êtes intéressé à cette culture africaine, savoir comment les habitants vivent, le village un peu partout. On va vous arrêter un petit peu partout, vous regardez comment on fabrique le tissu, comment on fabrique les différents costumes, encore dans la cuisine, comment on fait à manger. Exactement. J'ai vécu en immersion totale. Alors, lors de mon voyage au Mali, c'était pour le mariage d'une amie. Donc, j'ai vécu vraiment la tradition autour du mariage, aller chercher les tissus, aller chez les couturiers, me nourrir comme les Maliens se nourrissent au quotidien. J'ai vraiment vécu en immersion avec eux. J'ai fait la même chose en Tanzanie. J'étais partie en sac à dos. Donc du coup, je bougeais tous les jours, j'ai vécu chez l'habitant, j'ai été aussi dans une tribu Maasai qui nous a gentiment accueillis et avec qui on a vécu pendant à peu près 5 jours. On allait chercher le lait, traire les vaches, on faisait tout ce que les Maasai faisaient au quotidien finalement. Donc je me suis intéressée à l'Afrique, ça a été inné, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que je m'y sens chez moi, quelque part, et j'y retrouve beaucoup de choses. Bon, certes, pas totalement pareil, parce que chacun, nous avons chacun notre culture, hein, mais il y a des choses qui me rappellent ma propre culture en tant que Martiniquaise. Avant-dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, je dirais, ça ne serait pas à moi personnellement qu'on pourrait souhaiter quelque chose. Je voudrais que tout le monde puisse, en fait, découvrir et la Caraïbe. La Martinique, parce qu'elle est riche, elle est belle, elle a plein de choses à offrir. Et pareil pour le continent africain. Donc, je nous souhaite de pouvoir échanger et se découvrir pleinement. Dernière Voilà. question, comment faire pour vous contacter? Alors, j'ai un site internet. Je fais des voyages sur mesure. Alors, vous pourrez tout simplement m'envoyer un message, me contacter sur WhatsApp, m'appeler pour discuter de vos attentes, de vos envies, à savoir si vous êtes une entreprise, un particulier, si vous souhaitez un voyage de loisirs ou un voyage tout simplement pour vous reconnecter. Voilà, tout est Alors, le possible. numéro de téléphone qu'on peut vous contacter par Alors, WhatsApp. vous pouvez me contacter au 06 16 27 55 40. On peut reprendre ce 06, téléphone. bien sûr, 06 16 27 55 40. J'ai également un site internet, Agoji, Agojie, travel, travel.com.
Voilà.